lire, 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 lire. Ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page, deux et trois pris par million. Découvre ces lettres sages qui bientôt te captiveront. Un premier chapitre, déjà des questions. Oubliez le titre, l'histoire a raison. Le héros s'anime, le décor est bon. Tes yeux s'illuminent, ça devient très long. Lire, 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 ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page, deux et trois plis par million. Découvre ces lettres sages qui bientôt te captiveront. Le récit t'attire, tes yeux s'ouvriront. Tu attends la suite et tu as raison. Les lettres naviguent, là plus de questions. Pour toi c'est intime, c'est une conviction. Lire, 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 ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page, deux et trois puis par million. Découvre ces lettres sages qui bientôt te captiveront. La fin t'assassine et sans réaction. Un premier chapitre, déjà des questions. Oubliez le titre, l'histoire a raison. Le héros s'anime, le décor est bon. Tes yeux s'illuminent, ça devient très long. Lire, 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 ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page. Au bout d'un moment, je ne peux plus tenir. Il me répétit tout le suite, tout le seul. Et en même temps, il a si bien. Très bien. Très bien. Mon livre, je bouquine. Mon livre, je bouquine. Mon livre, les animaux de la terre. Très bien. Donc, Je bouquine, c'est un magazine français adressé aux jeunes lecteurs. Très bien. Commence. Il était une fois. Un bûcheron et une bûcheronne qui habitaient dans une toute petite maison au milieu d'une grande forêt. Ils avaient ce petit garçon et leur dernier fils était ce petit à la naissance qu'on avait. Il n'avait pas toujours assez à manger. Caché sous la table, il entendit un soir son père dire à sa mère, nous n'avons plus un seul morceau de pain. Très bien.
bouquin. Je m'appelle Anne, je suis ma soeur de 7e année B12. J'aime lire Maman, le pirate et moi. Premier chapitre. Sur le pont du navire, Maman et moi regardions la mer. Dès de fin, nous fuyions. Au loin, très loin, je distinguais la côte de l'Amérique. Moi, Maxime, lui et deux poids serrés. J'allais bientôt poser le pied sur un vaste continent inconnu. Mon père venait de mourir dans un accident de carrosse. Ma mère et moi avions été forcés de quitter la France. Je m'appelle Amélie Galère, 7e B10, les contes les plus célèbres, le petit chaperon rouge. Elle était une fois une petite fille que tout le monde aimait et plus particulièrement sa grand-mère. Un jour, elle lui donna un chaperon de couleur rouge. Il lui allait si bien que la fillette ne voulut plus rien
apporté d'autre. On l'appela donc le petit chaperon rouge. Un beau matin, sa maman lui dit, « Petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une cruche de vin. Porte-les vite à ta grand-mère qui est malade. Elle va bien se régaler, mais va tout de suite avant qu'il ne le fasse trop chaud. » Je m'appelle Francis Dao et c'est TMB11. J'aime lire, juillet 2000, en route petit frère. À la ferme des pêches, Sylvain et Jean-Roch se sentent abandonnés. Leur père vient de mourir. Ça devient femme. Annette les oublie complètement. C'est à peine si elle pense à leur donner à manger. Un soir, Jean-Roch dit à son petit frère Sylvain, il faut partir. Ici, il n'y a plus de place pour nous maintenant. Très bien.